version longue de la Marseillaise, donc pour ce match éliminatoire de la Coupe du Monde. Et maintenant, l'hymne chypriote pour la sélection nationale de Chypre. Douce donc dans l'île de Chypre pour ce match comptant pour la Coupe du Monde, les éliminatoires du Mondial 1990 qui aura lieu en Italie. Vous savez que l'équipe de France a commencé son périple en gagnant 1-0 au Parc des Princes, un pénalty de Papin face à l'équipe de Norvège. C'était pendant les Jeux Olympiques de Séoul. Et là, eh bien, on attend de cette équipe de France, qui sera du reste exactement la même que celle qui avait évolué au Parc des Princes. On attend Jean-Michel Larquet, un nouveau succès, et on attend aussi peut-être confirmation d'une valeur, je dirais, renaissante de l'équipe nationale. Oui, dont l'exemple, le meilleur exemple a été donné par les espoirs lors de la finale du championnat d'Europe contre les voisins de Chypre, puisqu'il s'agissait des Grecs, et effectivement l'équipe de France qui est... On ne peut pas dire convalescente, mais qui est en plein redressement. Et puis, je crois que Henri Michel et M. Fournet-Fayard, le président de la Fédération française de football, lorsqu'ils ont établi le calendrier, avaient demandé à ce que vous pensiez que les deux premiers matchs devaient être faciles, c'est-à-dire en recevant la Norvège, en se déplaçant à Chypre, de façon à marquer le plus de points possible et à prendre un ascendant psychologique sur les poursuivants immédiats, les plus dangereux adversaires qui sont, comme vous le savez, l'Écosse d'un côté, la Yougoslavie de l'autre. Écosse et Yougoslaves qui se sont rencontrés, Écossais et Yougoslaves qui se sont rencontrés mercredi dernier et qui se sont quittés sur un score de parité 1-1 qui fait quand même les affaires de l'équipe de France. Alors nous allons donc suivre avec beaucoup d'attention cette équipe nationale pour son deuxième match officiel de la saison, le troisième en fait puisqu'il y a eu France-Tchécoslovaquie pour la préparation. L'arbitre de cette rencontre est un Espagnol, M. Soriano Aladren, assisté de messieurs Negreira et Aguero, deux juges de touche également espagnols. Les Français sont en blanc à gauche sur votre écran et les Chypriotes, donc en bleu à droite, viennent de donner le coup d'envoi de la rencontre. Dans un stade Makarios, disons aux trois quarts vide, il y a environ 2 à 3 000 spectateurs qui suivent cette rencontre. Capital donc pour l'avenir du football français, puisqu'il faut absolument revenir avec les deux points de la victoire ici pour pouvoir aller dans un mois à Belgrade face à la Yougoslavie avec un total de 4 points. Avec Marcel Dib là qui a donné un ballon à Sauzé qui a voulu orienter devant. Boli là avec Sonore. Bravo. Et une touche pour l'équipe de France. Sonore, bousculé, garde le contrôle du ballon. Il a passé, presque passé, obtient une touche. Mais la touche sera, dit le juge de ligne, pour les Chypriotes. Mamidiotis. Ballon récupéré par Sonore et nouvelle touche toujours au même endroit pratiquement et toujours cette fois-ci pour l'équipe de France. Sonore fait la remise en jeu avec Bravo, Bravo qui a cherché Zvereb. Les Français qui essayent longue balle en avant de Sava sur la tête de Casoni. Cantilos. Ballon mis en touche là-bas par Manuel Amoros.
Papin, Casoni. Bravo. Avec Papin qui remet derrière Basile Boli. Casoni, pied gauche, une longue balle en avant qui était destinée à Bravo. Mais tous les Chypriotes sont dans leur boîtier de terrain et défendent donc l'accès de leur but. Il y aura toujours évidemment beaucoup beaucoup de monde devant le but de Georges Pantiarias, le gardien de but de cette équipe chypriote. Ça va. Une longue balle en avant qui était destinée à Christophe. Ça va. Bien joué pour Campilos. Contré. Amoros. Vertruis. Casoni fait la remise en jeu avec Boli. Non, ballon trop profond qui va aller jusqu'au gardien Pantiarias. Marcel Dib. Ah, Bravo qui a laissé ce ballon, croyant que Luc Sonor était plus près de l'action. Jouait très vite Christophe, le numéro 11 chypriote, mais Basile Boli a mis le ballon en touche. C'est le capitaine Yangoudakis qui a fait la remise en jeu. Dégagement de la tête Sonor. Récupération, ça va. Interception, Manuel Amoros, un bon ballon pour Gérald Passy. Par contre, celui-ci a gâché cette occasion, récupéré par Dib. Bravo, qui remet dans le paquet. Papin avait jailli, et ballon récupéré par Vertruis, dommage. Non, Gérald Passy, je pense, vous vouliez jouer Gérald Passy sur le... Bonne première occasion, et vous voyez que quand les Français ne sont pas trop près du but de Pantiarias, si bien ils arrivent à se procurer des occasions, on peut regretter que Gérald Passy, sur cette volée, n'ait pas pris sa chance, parce qu'il avait le but grand ouvert, et il est certain que c'était une bonne occasion pour les Français qui ont trouvé leur maître à jouer, en la personne de Daniel Bravo, qui joue bien en retrait par rapport à ces deux attaquants que sont... Papin avec une nouvelle balle interceptée ici par Passy. Il n'y a personne au centre et l'arbitre, M. Soriano Aladren, l'espagnol de service, a sanctionné cette charge de Christodoulos sur Papin pour un coup franc qui est une sorte de petit corner. Petit corner que va, ou petit coup franc plutôt, que va tirer donc Manuel Amoros. Les Français qui semblent prendre petit à petit l'ascendant sur ce match. Alors voyons ce que ça va donner. Une belle occasion certainement pour l'équipe de France sur ce petit coup franc de Manuel Amoros. Bonne sortie de Pantiarias et bon dégagement de Yangoudakis. Très loin jusqu'à Casoni. Il remet loin devant. Papin, alors qu'il y a un joueur chypriote qui est allongé dans sa surface de réparation. Se bat beaucoup et avec beaucoup de conviction, Daniel Bravo. Et contremené par Christophe et le numéro 7 Campilos, les ballons récupérés par les Français. Beaucoup d'engagement physique dans ce début de match. Campilos, dosé, contre-favorable aux Marseillais. Et touche pour l'équipe de France. Et je regarde, il me semble que c'est Stavrou, le libéro, le numéro 5, qui a été blessé lors du
petit coup franc tiré par Manuel Amoros. Et lors du dégagement de Panzarias, il me semble que le gardien chypriote a autant attrapé le ballon que la tête de Andreas Stavrou. Yanis Berisseno est sur le coup. On a pu remarquer que ni l'une ni l'autre équipe n'avait mis cette balle en touche. Il a fallu un tacle de Pitas pour stopper ce match. Match qui reprend ici avec cette remise en jeu de Luxonor. Luxonor derrière lui, Sauzé. Bon ballon pour Sonor qui va pouvoir centrer. Centre de Sonor et Papin qui frappe instantanément. C'est bien joué. Et premier corner de la partie. Sauvé par le gardien de but de l'Apollon, Georges Pandirias, un garçon de 36 ans. Un corner qui va être joué par Gérald Passy, le numéro 10, le meneur de jeu toulousain. Pied gauche, sur la tête de Papin qui est contré, mais les Français perdent le ballon. Bien revenu, Manuel Amoros le récupère, donne derrière à Basile Boli, Marcel Dib, Passy avec Dib, c'est bien fait. Ah mais Passy n'avait pas suivi cette action. La balle sort en touche en faveur du numéro 2, Miami Liotis. Ça va, Miami Liotis, bravo, revenu, mais en touche à son tour. 9 minutes de jeu. Et toujours 0-0 entre Chypre et l'équipe de France, ici sur cette pelouse en bien meilleur état qu'on ne l'aurait supposé du stade de Makarios. Avec un coup franc là en faveur de l'équipe chypriote, Cantilos ayant été bousculé par Sonor, c'est Miamiloti qui va donner ce coup franc. Miamiliotis, pied gauche, dégagement Boli. Cantilos qui remet devant et il faut que Joelba sorte. Oui, car Christophe de toute façon était signalé hors jeu par l'arbitre espagnol, monsieur Aladren. Sava. Bien joué de la part de Sava et de Petsas, les deux attaquants chypriotes. Et une touche là-bas pour les chypriotes. Un ballon qui va jusqu'à Petsas. Longue balle en avant. Casoni, Dib. Amoros, Daniel Bravo, Zvereb. La touche est pour l'équipe de Chypre. Touche effectuée par Pitas vers Panzarias, son gardien. Jean-Michel, il faudrait évidemment dans ce type de match que l'équipe de France, pour débrider la situation, réussisse à marquer le plus rapidement possible. Oui, bien sûr, c'est la bonne solution, mais on a le sentiment quand même que les Français sont encore un petit peu convalescents. On a l'impression quand même que les Chypriotes se souviennent de la cinglante défaite qu'ils avaient encaissée à Limassol lors de la Coupe d'Europe, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et là, il semble qu'ils ont un petit peu resserré la garde. Ils sont aussi sous le coup d'une défaite parce que ils ont perdu dernièrement leur seul match de préparation contre Malte 1-0. Ils se regroupent bien autour de leur défense centrale. On a le sentiment qu'au fur et à mesure que le match va avancer, la situation va se débloquer à condition peut-être de ne pas commettre trop de fautes, des fautes inutiles, comme il vient de le faire ici Luxonor, car on hache le jeu. Il est évident que si on emballe le jeu, ce sera sans doute à l'avantage des Français, meilleurs techniciens et en meilleure condition physique. Avec Gérald Passy, là, bousculé au milieu du terrain par Nicolaou, le numéro 10 chypriote.
Et là, c'est un coup franc donc pour l'équipe de France, donné par Casoni en direction de Zverev là-bas. Ballon récupéré par Amoros. Il a effleuré ce ballon de la tête de Daniel Bravo pour Jean-Pierre Papin. Faute de Christophe sur Jean-Pierre Papin. Et un coup franc qui peut être intéressant à environ 25 mètres du but chypriote. Légèrement sur la droite lorsque l'on fait face au but de Pantzarias. Lorsque M. Aladren fait reculer les chypriotes. Bonne sortie du gardien chypriote. Et un coup franc qui n'a absolument rien donné. José qui a récupéré ce ballon, contre favorable à Daniel Bravo. Battu de la tête, Christophe, accroché par Luc Sonor dans le rond central. Et nouveau coup franc. Cette fois-ci dans la moitié de terrain française, alors que Christophe, l'ailier gauche, Evagoras, Christophe, Domonia, Nicosi se relève. Christophe qui n'a rien à voir avec notre charmante consoeur Anne-Sophie, à moins qu'elle nous ait caché qu'elle est de la famille à Chypre. Ce qui pourrait se faire, évidemment. Le capitaine, le numéro 6, Yann Boudaki, qui a donné ce coup franc, la balle qui en touche pour l'équipe chypriote. Yann Boudakis aux prises avec Dib. Dib qui met en touche. Yann Boudakis qui va faire une longue remise en jeu. Yann Boudakis qui n'est pas hors jeu, qui peut centrer, deuxième poteau, Amoros, dégagement de Casoni. Papin qui vient se mêler à la lutte sur ce ballon, ballon récupéré par Pitas et mis en touche par Bravo. Daniel Bravo, alors que l'on joue la 16e minute de cette première période, et toujours rien de marqué, 0-0 entre l'équipe chypriote et l'équipe de France. L'équipe chypriote qui évidemment profite des rares ballons de contre-attaque qu'elle a pour porter le danger devant Joël Bat. Et surtout une équipe chypriote évidemment qui au fil des minutes peut prendre confiance en elle. Ce qui ne serait en aucun cas les affaires de l'équipe de France. QRF qui a prolongé le ballon. Ici jusqu'à Pitas. Savrou et Pantzarias. Bravo, dépossédé du ballon. Heureusement que Miami Kiyoti s'est un petit peu emmêlé les pieds là et a poussé lui-même ce ballon en touche. Sonor va faire la remise en jeu pour l'équipe de France. Bravo, avec Sonor. Casoni. Alors, comme nous avions des petits problèmes techniques là et que nous n'avions qu'un seul micro pour deux, ce qui n'est pas commode, Jean-Michel Larquet va parler sur un deuxième micro. J'aimerais que la régie finale soit assez gentille pour me faire savoir dans mon casque si son son va passer. Parce que
ben non. Bon, ben ça marche pas. Alors, bon, ben donc l'installation qu'ont fait nos amis chypriotes n'a pas l'air de fonctionner. On continue donc avec ce micro qui marche bien, avec le numéro 7, Cantilos, qui centre du pied droit et sortie de Joël Vass, qui en deux fois récupère ce ballon et va pouvoir dégager. Joël Vass, le plus titré des gardiens français, 42e sélection aujourd'hui à Chypre. Long dégagement. Papin, Passy. Et un ballon qui vit jusqu'à Panzarias. Qui sait qu'il a été par Pita. Mamiliotti. Pas beaucoup le gardien chypriote pour dégager. C'est ça. Faute du numéro 10, Nicolaou. Et les Français qui récupèrent le ballon là par le stopper du Matra Racing, Bernard Casoni. Chez Gérald Passy, prise avec Nicolaou. Vers le ballon, Passy. Ça va, la lutte avec là-bas, Casoni. Sauvé, bien fait, changement. En profondeur. Ah, Sauvé qui va peut-être pouvoir frapper contre qui n'est pas favorable, dommage. Alors que Amoro s'était venu se mêler à l'attaque. Ça va préférer laisser ce ballon au numéro 3 Pitas pour la remise en jeu. Le poste de Manuel Amoro, posé, mais les minutes passent, 21 minutes déjà. Boli, et il s'est bien repris en dégageant un petit peu comme il le pouvait en touche. Une touche qui va être effectuée par Miamigliotti avec Christophe. Jaillissant, puisque à la draine un petit peu dans le style de Robert Bure. Boli. Posé. C'est Amoro. Accroché par le numéro 11, Christophe, et qui obtient un coup franc juste devant le banc de l'équipe de France. Bravo. Aïe, 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 avec Sonor, les deux hommes ne se sont pas compris. Christophe, attention au contre mené par Nicolaou. Casoni. Directement dans les pieds de Sava. Sass. Et coup de sifflet de M. Aladrenne pour une faute sur Nicolaou.
C'est un peu inquiétant, Jean-Michel, ces minutes qui passent où il ne se crée pas grand-chose du côté tricolore. Effectivement, pas beaucoup d'occasions de but, si ce n'est cette reprise de premier poteau de Jean-Pierre Papin et surtout le fait que jamais, à aucun moment, les attaquants français ne sont sollicités dans de bonnes conditions. Et comme l'on sait que tout part de derrière, eh bien, vous voyez, à l'exemple de cette relance un petit peu hasardeuse, il faudrait que les défenseurs soignent leur relance. Parce qu'à partir du moment où ils font... où ils sont un petit peu hésitants dans leur première passe, et bien c'est tout le jeu de l'équipe de France qui s'en ressent, et ni le milieu de terrain, ni l'attaque ne se trouvent dans le sens du jeu, donc tout part de derrière, et je crois que les défenseurs français feraient bien, à l'image de Bernard Casoni ou de Manuel Amoros, et bien de s'appliquer dans leur première passe, leur passe de relance. Avec Daniel Bravo qui a perdu le ballon, Maxi Liotis, une longue balle en avant. Attention, il faut que Bat aille chercher ce ballon loin devant car Sava, le numéro 8, Pablo Sava était en pointe et cela pouvait être dangereux. Contre mené par Gérald Passy là-bas, mais qui perd le contrôle du ballon. Et une première mi-temps, une première moitié de première mi-temps dirons-nous, assez triste ou nette de l'équipe de France. Comme vous le disiez à l'instant, Jean-Michel Larquet, avec pratiquement rien à se mettre sous la dent. Et visiblement, Georges Pantiarias, très satisfait de ce score de parité, qui prend tout son temps pour dégager, avec une longue balle et une sortie de Pantiarias devant Gureb. Dib, une balle trop profonde pour que Bravo puisse s'en saisir. Bon tacle là de Sonore, Vereb face approximative, ballon à nouveau perdu. Nicolaou pour le capitaine Yangoudakis. Et une faute sur Yangoudakis avec un coup franc en faveur de l'équipe de Chypre. Et le public, le maigre public du stade Makarios de Nicosie qui s'anime un petit peu. Je vous l'ai dit, guère plus de 3000 spectateurs pour ce match de Coupe du Monde, une soirée estivale. Et un coup franc qui peut être dangereux. Attention donc. Dib. Dantilis qui a récupéré une deuxième fois ce ballon et c'est une touche pour les joueurs chypriotes. Ça va, frappe du pied gauche, un ballon qui est détourné et qui touche jusqu'à Joël Bat. Casoni, Sosé. Papin, position d'ailier droit. On pouvait espérer de mieux, Jean-Pierre Papin là. Deuxième corner en faveur de l'équipe de France. Le premier n'avait rien donné. Voyons ce que va apporter à l'équipe le deuxième, toujours tiré par Gérald Passy. Et il y a une dalle de ciment sur laquelle a glissé Gérald Passy, il a donc changé son ballon de côté, il ne pouvait pas prendre un appui sur un corner qui finalement a été dégagé, non, il n'y a pas d'enjeu. Avec une longue balle en cloche de Casoni, ballon récupéré par le numéro 9 Petzas, Nicolaou, ah non, mésentente, il y avait Cantilos, il y avait Christofi sur le côté gauche, mais il a envoyé ce ballon à droite. Amoros, Boli, Amoros, Casoni, Das. Ah, voilà un bon ballon là. Eh non,
Reprise de volée de Papin. Et il y avait bravo pour la reprise de la tête. Dégagement Cantilos. Et là, une mésentente chypriote avec une touche pour Luxonor. Faute. L'arbitre laisse l'avantage. Sauvé. Pour la tête de Papin, Papin qui est bien pris par Christodoulou. Cantilos. La touche sera chypriote. Monsieur Aladren avait sifflé une faute sur le joueur d'Auxerre, Casoni. Ah, il faudra absolument que les Français réussissent à marquer un but, mais pour l'instant, on en voit guère le bout avec Cantilos, là. Il n'a pas réussi à prendre ce ballon, heureusement, ballon récupéré par Daniel Bravo. Zvereb, Passy. Passy, Passy. Frappe de Passy, un bon tir, mais mal cadré, enfin, de peu à côté quand même. C'est le premier véritable tir de l'équipe de France. Alors que l'on joue la 32e minute de la partie. 13 minutes donc avant la fin de cette première mi-temps. Et 0-0 toujours donc, entre Chypre et la France. Avec à nos côtés l'entraîneur yougoslave Ivica Osim qui ne doit pas se faire beaucoup de soucis quand on a vu mercredi dernier la qualité du jeu entre les Écossais et les Yougoslaves. Eh bien, on a l'impression que les deux équipes qui étaient opposées mercredi dernier n'évoluent pas au même niveau car les Chypriotes sont pleins de bonnes intentions ce soir. Ils sont vifs, ils prennent des initiatives. Et malheureusement, les Français, eh bien, pour l'instant, dans la continuité de ce qu'ils nous ont montré au cours des matchs précédents, ont bien du mal à asseoir leur jeu, à déséquilibrer l'adversaire. Et il est évident qu'à partir du moment où on ne réussit pas de bons enchaînements au milieu de terrain, et c'est vrai qu'au milieu de terrain, nous n'avons pas eu beaucoup de ballons, il est difficile de solliciter dans de bonnes conditions Zvereb, qui est comme ici, qui est toujours au but de Pandiaria, c'est qui est toujours obligé de remettre en retrait. C'est bien sûr la tactique employée, la bonne tactique employée par les Chypriotes et que n'ont pas résolu pour le moment les joueurs français. Avec...
avec un coup franc donc pour Gérald Passe jouer avec Marcel Dib, le Monégasque qui a poussé trop loin son ballon. Heureusement Casoni va récupérer ce compte. Chypriote. Pas beaucoup de solutions pour le néo-parisien. Zverev, avec une fausse du numéro 9, Petzas, qui va prendre un petit carton, et voilà, numéro 9, averti, juste au début du dernier quart d'heure. Et oui, là, on attend, il faut que ce soit Manuel Amoros qui, de son poste d'arrière gauche, vienne tirer un coup franc qui est presque dans une position d'ailier droit. Ce sont des minutes précieuses que gagnent les Chypriotes, que perdent les Français. Amoros qui va mettre ce ballon devant la cage de Panzarias pour la tête bleue, la tête de Stavrou qui dégage en touche. Ah oui, il y a beaucoup de monde devant le but de Panzarias et pour l'instant, les Français n'ont pas trouvé la faille. Manuel Amoros, encore lui, va faire la remise de la touche loin devant. Remise au centre de Daniel Bravo, dégagement de Nicolaou. Luc Sonor au contre là-bas pour Chypriote, c'est Christophe avec Manuel Amoros qui perd le ballon. Christophe qui le reçoit dans de bonnes conditions, il se heurte à Boli. Et Boli qui va prendre un carton aussi. Voilà, un carton partout en l'espace d'une minute. Pétras d'un côté, Basile Boli de l'autre. Yamiliotis au coup franc pour l'équipe de Chypre. Qu'est-ce qu'il y a là? Oui, on continue à se frotter un petit peu entre Christophe et Basile Boli. Pour cette raison que M. Ladrène est intervenu. Yamiliotis avec une position de hors-jeu. Position de hors-jeu sanctionnée par Monsieur Aladren. 36e minute, 9 avant la mi-temps. Fassi, c'est Jean-Pierre Papin. Sonore. Ah oui, ballon qui avait été bien récupéré par Daniel Bravo, c'était difficile. Il n'a pas pu l'utiliser comme il le voulait. Christophe contre mené. Bon ballon à nouveau qui a péri jusqu'à Santillos. Santillos se trouve avec Boli. Il est en touche. Yamiliotis. Yamizaki, son capitaine, est sorti de but qui va permettre à Joël Basse de dégager ce ballon. C'est évident que un score de parité ici serait une mauvaise affaire pour l'équipe de France. Compte toujours sur les deux points qu'il faut ramener de Chypre. Chose est certaine, l'équipe de France ne gagnera pas 7-0 comme la dernière fois qu'elle est venue dans cette île. Ça, on s'y attendait. Beaucoup de choses ont changé en 8 ans. Dib. Oui, faute sur Zverev encore, qui s'est retrouvé au sol. Mais un coup franc loin du but chypriote. Peut amener le danger devant le but, mais qui ne peut en aucun cas le provoquer directement. Amoros,
tête. Bravo. Ballon récupéré par Diz. Frappe de Sauzet. Un petit peu comme il l'avait fait avec les espoirs à deux reprises à Besançon la semaine dernière. Mais là, ça n'était pas cadré. En tout cas, on a vu toute la puissance de l'ex-socialien. Maintenant, Marseillais qui a frappé ce ballon au-dessus de la cage de Panzarias. Alors que l'on joue la 39e minute de cette première mi-temps. Si vous rentrez de votre travail chez vous, toujours 0 à 0 entre Chypre et l'équipe de France ici à Nicosie. Avec des Chypriotes qui commencent à faire quelques maladresses. Traduisant ce que vous disait Jean-Michel tout à l'heure du fait qu'ils sont au début de leur championnat. Mais la mi-temps va arriver à point nommé pour leur permettre de récupérer. Dégagement Bamigliotti. Sauzé. Christophe. Cantilos. Bamigliatis. Pestas. Prise avec Sauzé, là, ballon toujours chypriote. Yadoukakis. Et bien revenu Daniel Bravo qui peut donner ce ballon à Joël Bat. Une nouvelle faute de ce numéro 9, c'est-à-dire Pétas, qui a déjà pris un avertissement tout à l'heure. Les crampes, Pétas. J'espère pour lui qu'au bout de 40 minutes, il n'a encore pas des crampes. Je pense qu'il a eu peur du carton jaune qui a été deux fois sorti par M. Aladrène. Il n'a pas grand chose. Costas Petzas. Que les Français vont essayer une fois encore de s'approcher de cette caisse de Panzarias parce qu'il faut compter aussi les fois où ils sont rentrés dans la surface de réparation. Balle au pied. Pratiquement jamais. Avec un ballon de la tête prolongé par Franck Sauzé. Mais Daniel Bravo a été un petit peu bousculé. Ce qui n'a rien donné. Et nul doute que les supporters français qui ont effectué le déplacement vers cette belle île de Chypre doivent être pour l'instant un petit peu déçus. Manger. Facile. Reprise avec Nicolaou. Les deux numéros 10 l'un contre l'autre. Et Sonor va effectuer la remise en jeu. Bravo. Reprise avec Miamiliati. Et une sortie de but pour Panzarias. Il ne va pas se presser une fois encore pour effectuer ce dégagement. Regardez, il marche tranquillement avec son ballon. À lui seul, il a dû bien gagner 2-3 minutes là au cours de cette première période, à coup de 20 secondes par-ci, 30 secondes par-là. Mauvais dégagement. Ballon récupéré par Dib Amoros, bousculé par le capitaine, le numéro 6, Yannis Yangoudakis. Coup franc. L'autre capitaine, Manuel Amoros. Sauvé encore, qui se bat bien dans les airs. Il avait repris ce ballon, dégagement de Christophe. Ah, il est lobé, Boli. Ah, c'est heureusement qu'il est fort physiquement, Basile, là, car il avait mal calculé la trajectoire du ballon. Cazoni. Sauzé.
contrôle s'est allé dans les pieds chypriotes. Ah, c'est bien fait, Christophe. Dégagement, Boli. Posé. Ah, trop fort, Posé. Mal dosé ce ballon pour Duret. De Chypre et pour le numéro 3, Pitas. Encore 3 minutes avant la mi-temps. Tête de Sauzé, Dib. Sauzé. Pied gauche. Papin. Et bon tir de la tête de Suarez qui marque sur cette remise de Papin. Vraiment, ce qui pouvait arriver de mieux. Et on a vu Jean-Pierre Papin se jeter sur ce ballon qui avait été effleuré de la tête par Andréa Stavrou à la suite d'un centre. On ne voit que la fin, mais à la suite d'un centre de Franck Sauzé. Il avait sauté au-dessus de tout le monde et bien placé, juste où il fallait. Daniel Zereb, alors qu'il reste, je dirais, 70 secondes à jouer. Ouvre le score, 1-0, ils ont fait l'essentiel, première occasion de but et un but, 100% de réussite. Je crois là que les joueurs d'Henri Michel ont réalisé, je dirais pas un sans faute, mais un 100% de réussite. Ils n'ont pas été très brillants, mais c'est bien la preuve qu'avec des occasions de but, s'ils avaient pu s'en procurer davantage, ils auraient sans doute pu alourdir le score. Hélas, ils ont un petit peu péché dans le jeu collectif. Mais la qualité individuelle est là et c'est sur un petit exploit ou un double exploit de Jean-Pierre Papin et de Daniel Zereb qu'ils ont ouvert le score et qu'ils ont complètement fait basculer le sens de ce match. Juste avant la mi-temps, on sait que c'est toujours bon, Jean-Michel, de marquer dans les minutes qui précèdent le repos. Et là, à notre chronomètre, on joue les arrêts de jeu de cette première période. Avec un ballon repris de la tête par Marcel Dib, Amoros, coup de sifflet de... Non, c'était pas Monsieur Ladrenne, c'est dans les tribunes que l'on a sifflé. Ballon récupéré par Casoni, longue balle en profondeur pour Daniel Zverev qui a confirmé donc sous le maillot blanc de l'équipe de France la belle forme qu'il a actuellement. Attention, oh, il a pas pu armer son tir, Papin là qui était venu. Et les Français qui se battent, vous voyez avec quelle rage de jouer, bravo, puis Papin se sont jetés pour tacler ce ballon. Et coup de sifflet de Monsieur Aladrenne qui indique donc, Jean-Michel, que la première mi-temps est terminée. 1-0, but de Xuereb à la 43e minute, une seule occasion, un but, comme vous l'avez dit, du 100%, et c'est tant mieux pour cette équipe de France qui a besoin progressivement de retrouver la confiance. Ici le stade Makarios à Nicosie. On se retrouve tout à l'heure pour le début de la deuxième période. À vous Paris.
Bien, il semble que l'on ait des problèmes de liaison avec nos envoyés spéciaux Jean-Michel Larquet et Thierry Roland. Donc nous allons continuer pour l'instant de Cognac G. Pour vous commenter cette rencontre, donc si vous prenez l'antenne maintenant, je vous signale que nous sommes en deuxième mi-temps et que l'équipe de France mène 1-0 après avoir réalisé une première mi-temps très très moyenne et un but marqué par Daniel Tchouareb à la suite d'une très belle tête de Papa a un petit peu sauvé les choses pour l'instant. Basile Boli à la lutte avec Cantilos. Il faut dire que les joueurs français ont commencé ce match plutôt timidement et que cela a sans doute donné confiance aux joueurs chypriotes. Marcel Dib, Franck Sauzet, il n'y a pas grand monde devant. Si ce n'est le libéro qui prolonge sur Miamiatoulis. Gérald de Passy. Cazonier qui prolonge sur Amoros, qui prolonge à son tour, enfin tout le moins qu'il y a essayé. L'état du terrain ne doit pas être extraordinaire car il y a beaucoup de maladresses techniques côté français, côté chypriote aussi, mais enfin là ça peut s'expliquer plus facilement puisqu'il s'agit de joueurs amateurs. Boli, Dib. Daniel Bravo taclé très sévèrement et intervention de l'arbitre, semble-t-il. Donc pour l'instant, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est laborieux. Enfin, si on gagne toujours 1-0 laborieusement, on sera champion du monde laborieusement, mais champion du monde quand même. Mais il ne faut pas trop rêver. Et lorsque l'on a vu le match Écosse-Yougoslavie mercredi dernier, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un petit écart quand même. Même s'il est bien connu, les footballeurs le savent, que l'on joue en général assez mal lorsqu'en face de vous, il y a une équipe qui pratique un football très très moyen, ce qui est le cas de la formation chypriote. Qui se défend plutôt bien, Christophe Cazoni qui est intercepté. Alors on me fait un petit signe dans la régie, je pense que nous avons récupéré Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, c'est le cas. Donc je m'échappe, Thierry, c'est à vous. On a de grosses difficultés avec les techniciens chypriotes ici. Je dois dire que c'est extrêmement difficile. Enfin, nous voici donc revenus au stade de Makarios où on joue depuis 6 minutes maintenant. Et toujours 1-0 pour l'équipe de France qui a marqué donc, comme vous l'avez signalé, à la 43e minute, juste avant la mi-temps. Avec Sauzet qui attaque un long ballon et avec un hors-jeu de Marcel Dib là-bas. Avec un bon contre mené par Zverev et Amoros, mais ballon perdu. Et envoyé par Sava jusqu'à son gardien de but, Panzarias. Les Chypriotes qui remontent. À nouveau par le numéro 8, Sava, qui a cherché son capitaine Yakoudiakis. Marcel Dib s'est opposé à la montée. Joueur de l'Apollon, Yanis Yangoudakis. Et obtient une touche que fait Manuel Amoros. Directement sur la tête de Christophe, Gérald de Passy a récupéré ce ballon. Renverse. Sauzé qui tire à ras de terre. Ballon qui est bien repoussé par Franck Zaria. Quelle force frappe de Franck Sauzé.
Alpati qui a récupéré ce ballon, centre à nouveau, tête de Bravo, dégagement de Saba, ballon qui est récupéré au milieu du terrain par Luc Sonor qui remet en avant, tête de Sebaoun. Campilos qui peut centrer, Boli. Et une faute du numéro 8. Sur le numéro 8 plus exactement, ça va de la part de Jean-Pierre Papin et un coup franc pour les joueurs de Chypre à environ 30 mètres. Par Miami Yati. Ouais. Il est parti dans le dos des défenseurs français. Qui a donné latéralement à Boli, Boli Sonor, pied droit de Sonor pour Zvereb, auteur du but, Zvereb qui se fait sécher là-bas. Oui, il est en confiance comme il l'est avec le PSG en ce moment. Et il obtient la coup franc qui va être tiré par Bravo, le Niçois. Lui aussi en très belle forme, pied droit, tête de Passy. Mais Panzarias peut récupérer ce ballon. Alors que l'on joue la deuxième minute de la deuxième période. 57e minute. Ouais. Et ballon mis en touche par Dib. Le public estime qu'il a un petit peu levé la jambe trop haut. Oui. Et la faute sur Casoni. Sophie s'est un petit peu trompée de côté. Passy au milieu de trois joueurs de Chypre a pu donner le ballon à Zvereb. Ah, elle est sortie. Dommage. Ah oui, elle est sortie complètement. Le juge de touche l'a pas vu. L'arbitre peut-être est revenu sur la première décision. Papin, Amoros, Dib, bousculé, garde le contrôle du ballon. Papin, Casoni, Gérald Passy, avec Marcel Dib, mais la balle trop profonde de Passy. Gérald
Gérald Paty, qui n'a pas son rayonnement de la saison dernière, c'est le moins qu'on puisse dire. Sebaoun, Chiazzoni perd le ballon, Santillos. Heureusement que Boli était là, oui. Yanoukakis se heurte à Chiazzoni, Zib. On s'énerve du côté des Chypriotes. Papin sur le côté gauche, corner. Alors qu'il y a quelques canettes de bière. Avec Manuel Amoros pour tirer ce corner. Paty. Chiazzoni. Zib. Tosé. Boli. Chiazzoni, Amoros, pas faute dit monsieur l'arbitre, longue balle en avant de Sava, dégagé Boli, Sosé, bravo, Papin, sonore, bravo, bravo. Au-dessus. Même Pantarias, gardien de but chypriote, qui va dégager alors que l'on joue la 17e minute. On est rentré dans le deuxième quart d'heure de cette deuxième période. Toujours 1-0 pour l'équipe de France. Score nécessaire et suffisant pour l'instant. Sifflet de monsieur Ladrenne. Là, c'est un coup de tête de Sebaoun, Amoros, Zib, Vereb. Bien joué et. Il a sifflé, vous croyez? Oui, il n'a pas sifflé. Pas perdu beaucoup de ballons. Amoros. Yakonakis. Et ballon mis en corner par le tandem Chiazzoni-Boli. Devant la menace que constituait Yanis Yangoudakis. Je crois que c'est leur premier corner du reste. Oui, bon dégagement des deux points de Papin. Et Maxim Yatis n'a
n'a pas pu frapper ce ballon. Sauvé in extremis par Daniel Bravo. Alors que c'était un nouveau corner dans les 16 mètres là. Sebaoun, elle est sortie. Joël Batt avec Luc Sonor. Passy. Sur le côté droit, Sonor est monté, mais il va arriver. Oui, il arrive juste à temps. Se heurte à Maximiati. Et une sortie de but pour Chantal. Mamigliotti sur la tête de Sauzé, encore une fois, pas vraiment perdu beaucoup de ballons de la tête. Hein. Aboli, Passy, bonne balle pour Marcel Pitt. Ah, il a gravé le pied sur hein. Ouais, c'est bien joué. L'action était très belle. Cazoni est sorti de Joël Batt, très brillant cette saison. La suite d'un choc avec Miami Lotti et que ouais. Sylvain Castendèche est allé s'échauffer. Ballon récupéré par Passy, Poli, Zverev. Avec Passy, bravo. Ah, bien joué encore, c'est l'histoire de Zverev. Bravo. Et ballon perdu finalement par les Français. Deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante que la première. Et il faut aller vite pour le remplacement de Sonor parce que le Monégasque semble en difficulté, faute. Avec une faute sur Christofi, le numéro 11 chypriote. Yaboudakis, encore sur Sauzé, bousculé par le numéro 11 Christofi, Sonor. Il semble avoir un petit peu récupéré, mais de toute façon, le changement va intervenir. Bravo. Avec Sonor. Passy. Dib. Et ils ne sortent pas vraiment, hein, les Chypriotes. Et même étant menés 1-0... Ils n'ont pas vraiment ouvert leur garde. Bravo, Boli, Cazoni. Boli, peut-être en créant le surnombre avec l'apport d'un défenseur. Dib, avec Gérald Passy, perd le ballon. Kansas. Papin là-bas. Cazoni.
Sauzé. Ah, tous les ballons passent par Franck Sauzé. Et vraiment, il n'en perd pas beaucoup, c'est vrai. Il est un petit peu bousculé, Gérald Fassi, là. Et à nouveau Sauzé, long ballon. Il y a Joël Bat. Et ça fait deux bonnes minutes que Henri-Émile, l'adjoint d'Henri-Michel, a attrapé les panneaux pour faire le changement, mais le ballon ne sort plus. Ça veut dire qu'on le garde dans l'air de jeu. C'est un bon signe. Avec Sauzé ici. Un bon ballon pour Daniel Bravo. Et protégé par son arrière Vital, Panzaria a pu se saisir de la balle. Et en fait, les Chypriotes vont aussi en profiter pour faire rentrer leur numéro 16, Andreas Elia. Christophe Cazoni sur ce ballon. Alors que Kastendush finalement ne s'est pas déshabillé, ne s'est pas mis en tenue plutôt. Voli. Sonore avec Bravo là-bas. Boli maintenant. Sauzé. Cazoni. Un bon jaillissement. Et pas le perdu par Christodoulou. Ils la perdent rapidement en ce moment la balle, les Chypriotes, lorsqu'ils l'ont dans de bonnes conditions. Sonore. Il n'est plus à 100% de ses moyens physiques. Oui, mais c'est certainement pas lui qui va être remplacé, puisque c'est Vercris qui se met en tenue. On pense donc immédiatement à son arrivée en lieu et place de Gérald Passy. Mamignati. Là, il faut l'attaquer, la balle sur le côté gauche avant qu'il ne centre. Il a pu le faire. Bonne amortie de la poitrine orientée de Bernard Cazoni. Sauzé maintenant, Papin sur le côté droit, Rib, Fassi, ah oui bien fait ça, Cazoni, Boli, Sonore. Les Français qui font circuler le ballon derrière pour essayer de faire sortir les Chypriotes, mais ceux-ci n'en veulent pas. Et ce ballon, les Chypriotes ne sortent pas, et le ballon non plus, il ne sort pas. Faute. Ah, on va pouvoir faire les changements, le 10. Oui, Gérald Passy, donc, qui sort. Alors, et Philippe Vercris. Va donc y avoir un et Christophe qui sort et qui est remplacé par Elia. Allez, un peu plus tard pour les Chypriotes. Chacun son tour. Qui ne veulent pas effectuer de changement sur un coup de pied arrêté en leur défaveur, souffrant donc à 35 mètres du but de Panzarias. Alors que l'on joue la 28e minute de la deuxième mi-temps. C'est toujours cette marque de 1 à 0 en faveur des Français. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. La tête Amoureux. De Sauzé. Oh, là, il était balancé, là, Daniel Bravo. Bien balancé alors qu'il était en l'air. Amigliati. Philippe Vercris qui est lui aussi en grande forme, il a retrouvé toute sa confiance au sein de l'équipe de l'OM. Papin. Eh ben, le talonnage tout de suite, non, il a préféré le contre-favorable pour Daniel Bravo. Oui, mais il a tranquille bien armé son centre, il va se battre pour récupérer ce ballon. Papin dans l'air. Et Gabi Lagu, le gardien Panzarias.
à Philippe Vertris, qui est lui aussi l'un des hommes prépondérants de la réussite de Marseille en ces débuts de saison. Vernis qui a donné à Bravo, Dib, Vertris. Elle était passée, il est passé avec Papin. Et deux Marseillais. Bien joué. Et un troisième maintenant avec Tosé. Oh, quel bon ballon pour Vertris, pour Vereb, tir de Vertris maintenant. Il y a eu un retourné de Bravo, me semble-t-il. Un petit peu, plutôt complètement manqué. Mais l'action était superbe, avec un luxe qui s'est bien dégagé là-bas. Coup de tête. Et ballon mis en corner par le numéro 5, Stavrou. Enfin, voilà une équipe de France qui nous plaît. Oui, la beaucoup plus rayonnante après le repos qu'elle ne l'a été en première période. Avec à sa base, il faut dire, hein, Thierry, les hommes en forme, ceux qui, avec Marseille, font de cette équipe de l'OM l'un des grands du championnat. Franck Sauzé qui a été, on peut dire, pratiquement parfait tout au long de cette heure de jeu. Ça avait été avec les espoirs à Besançon. Et l'arrivée de Philippe Vertris qui semble avoir apporté quelque chose. Daniel Bravo tire le corner, très loin au deuxième poteau. Bonne sortie de Panzarias. Longue balle de Christophe Cittadi. Et encore... attention, oui, hors-jeu. Et c'est hors-jeu. Alors que les canettes de bière volent encore. Dès qu'il y a un chypriote qui est signalé hors-jeu, ça déchaîne la fureur des quelques supporters. Heureusement qu'ils ne sont que 3000, avec une bonne feinte encore là. Super feinte de Jean-Pierre Papin qui va pouvoir pénétrer dans la surface de réparation. Bien fait Panzarias, bien sorti. Et bien fait aussi Jean-Pierre Papin. Avec Nicolas Houle. Faute de main de Boli. Oui, il a été un petit peu surpris par le rebond du ballon. Et un coup franc à 30 mètres, mais juste en face du but de Joël Bat. Coup franc très dangereux. Tous les Français sont revenus à l'exception de Jean-Pierre Papin qui est en train de récupérer un petit peu de son effort de tout à l'heure. Là, le mur est bien à 9,15, il n'y a pas de problème. Attention à la force de frappe de Florence Nicolaou. Alors que le changement va intervenir. Christophe va sortir. Avec l'entrée d'Andreas Elia. Par Elia. Elia, le numéro 16, donc, qui remplace le numéro 11. Ils sont 4 autour du ballon. Yangoudakis, sans doute, qui était passé au-dessus tout à l'heure. Ah, là, il pique son ballon. Penalty sur ce coup franc. Oui, alors que la faute était... semble-t-il pénalty contre Daniel Bravo. Daniel Bravo, oui, qui a accompagné au sol un adversaire chypriote. Et visiblement, ils sont pas nombreux à se bousculer au portillon pour tirer ce coup de pied. Finalement, c'est l'arrière droit. Le numéro 2, Kostas Mamiliotis, semble-t-il. Ah, il n'est pas bien placé, oui, c'est Mamiliotis. Face à Joël Bat, il en a déjà arrêté des pénaltys. Et non des moindres, celui-là, Yves Auchert, car on est pratiquement dans le dernier quart d'heure. Mamiliotis face à Joël Bat. Pied gauche de Mamiliotis. Et but de Mamiliotis qui égalise à exactement 17 minutes de la fin de la partie. Un but partout entre Chypre et les...
l'équipe de France, ça, c'est le coup dur. Il reste pas 17 minutes, Thierry, il reste 12 minutes. 12 minutes, oui, oui, 33 minutes. 12 minutes. Amoros, sauvé. Et évidemment, le public chypriote, alors qu'on voit Henri Michel debout là. Boli. Amoros. Avec une faute sur Amoros. Tous les Français à l'attaque. Et Amoros pour jouer ce coup franc. Avec une faute française. Évidemment, il y a un tel magma de joueurs qui va bien difficile de marquer à faire la faute. Et Henri Michel va jouer son dernier joker avec l'entrée de Stéphane Paille. Évidemment, c'est un coup très dur pour l'équipe de France car... si elle devait abandonner un point ici, sur la pelouse du Stade Macarios, ce serait pratiquement le début de la fin. Vitas tire ce coup franc. Vertruis. Toute tête de Amoro. C'est curieux parce que les Français ont pris ce pénalty juste au moment où ils jouaient le mieux. Alors qu'ils ont marqué en première mi-temps, à un moment où leur jeu était quinca, bizarrerie du football. Ah mais c'est pas pour faire entrer le troisième attaquant, c'est pour faire sortir Daniel Gureb et entrer de Stéphane Paille. Pour les 10 dernières minutes ou un peu plus, les Français qui ont fait rentrer leurs deux remplaçants, Philippe Vertruis et Stéphane Paille, et qui sont en difficulté, c'est le moins que l'on puisse dire. Il n'y a pas d'enjeu, mais il y a faute. Faute d'Andreas Kankilos. Amoros pour jouer ce coup franc. Daniel Bravo. Il en a deux dessus. Et Nicolas Hou est passé par là. Qui commet une faute sur le Français. Avec un coup franc qui ressemble à un petit corner. Il faut aller très vite, très très vite. Basile Boli est monté, Vertruis aussi. Ne pas faire de faute. Au premier poteau, la défense cypriote qui se dégage. Papin, Amoros, Casoli. Là, il faut encore de ressources physiques, les chypriotes. Ils courent sur tous les ballons. Libre. Vertruis. Sauvé. Bravo. Un pied en avant de Daniel Bravo. Un pied en avant de Daniel Bravo qui va permettre à la défense de se dégager. 37 minutes de jouer dans cette première période. Il reste donc 8 minutes. Peut-être un peu plus si l'arbitre décompte des arrêts de jeu. Et l'équipe de France est tenue en échec un but partout, ici à Nicosie. Ce qui, il ne faut pas s'en cacher, est un mauvais résultat. Sonore. Batte. Allez, vite, 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 se dégager, s'empare le ballon à la main. Et tout de Vertruis. Qui peut sécher, Vertruis, il reste au sol, Casoni. Boli, un long ballon. Ouais. Et faute de Paille, c'est un petit peu aidé des bras. C'est les Chypriotes qui gagnent du temps, du terrain. Car évidemment, faire match nul contre l'équipe de France, quelques années après avoir été battu 7-0, puis 4-0. Oui, je crois du reste que le but marqué sur pénalty par Manigatis, c'est le premier but jamais marqué par une sélection chypriote à l'équipe de France. Sonore.
la fin. Papin qui intercepte ce ballon. Bib. Derfruit. Amoros. Derrière lui, Casoni. Ils ont joué le hors-jeu. Encore une fois, monsieur Negrey là, n'avait pas signalé. Mais monsieur Alavren l'a signalé, lui, le hors-jeu sur le dégagement de batte. Ouais, alors que du côté chypriote, on ne se presse pas beaucoup. Mais sans vouloir être oiseau de mauvais augure, Jean-Michel, on peut se dire quand même que si l'équipe de France n'arrive pas à battre l'équipe de Chypre, elle aura bien bien des difficultés à se qualifier dans ce groupe 5 face à des adversaires du calibre de l'Écosse et de la Yougoslavie. Ouais. Et pourtant, nous étions avertis. Poli. Ah, et bien évidemment, bien sûr qu'il y a corner puisque... Santilos a laissé filer ce ballon qui avait été fleuri par la tête de Luxonor. Et un corner pour les Chypriotes. Ils ne sont pas très nombreux les Chypriotes dans la surface de réparation, ils ne sont que trois. Mais il est bien tiré ce corner, il est même très bien tiré. Il va jusqu'à Stéphane Paille qui était venu très loin chercher ce ballon. Stéphane Paille qui a cherché Philippe Verpruit. Ballon en sortie pour l'équipe de France. Casoni. Verpruit. Sauzé. Voilà. Long dégagement. Ça gagne pas, ça débarrasse. Directement dans les petites tribunes du Stade Makarios. Pour gagner quelques secondes précieuses. Sonor fait la remise en jeu. Bravo. Long dégagement sur la tête de Casoni. La bonne attaque de balle là et bon U2. Avec un bon ballon en profondeur. Sortie de Joël Batte qui dégage au pied vers Daniel Bravo. La balle sortira en touche. Ouais, les Chypriotes qui tiennent là un bon résultat. Le bonheur des uns. Car au cours des 10 derniers matchs, ils n'ont réussi qu'un seul match nul. C'était en Pologne, me semble-t-il. Oui, et puis une 0-0, oui. Victoire contre l'Irlande du Nord, ici, il y a quelques années. Quelques saisons, oui. Oui. C'était leur plus belle carte de visite à ce jour. Papin. Ah, peut-être là avec Berkris qui n'avait pas oublié le ballon. Sauzé. Oh, elle a frôlé la lucarne. Elle n'a pas passé loin, si elle est dedans, c'est pareil. Elle a frôlé la lucarne de derrière, cette frappe de Franck Sauzé. Si elle est dedans, c'est pareil. Et les supporters français qui étaient venus ici, accompagnés par Michel Molot, pensaient assister à une... hécatombe de but du côté des Français. Mauvais pronostic et mauvaise soirée. Mamiliatis. Elia. Boli. Sauvé. Bravo.
Ils se battent vraiment avec un cœur énorme, les Chypriotes. Et les Français aussi se battent bien. On ne peut pas leur reprocher de ne pas se battre, mais ils n'arrivent pas à s'approcher dans de bonnes conditions du but de Allez, une arrière. Touche longue là pour Franck Sauzé. Faye. Casoni. C'est Boli qui va peut-être arriver à temps sur ce ballon. Corner, si ça sort. Si ça sort, mais ça ne sortira pas. Non. Boli qui remonte le ballon. Casoni. Sauzé. Faye. Plus qu'une minute. Une petite minute. Petite minute. Pour marquer le but qui libère. Et la balle est aux Chypriotes. Il l'avait marqué en fin de première mi-temps, ce but. Est-ce qu'ils réussiront à le marquer à nouveau en fin de deuxième mi-temps? Je le voudrais bien, mais honnêtement, ça m'étonnerait. Panzaria. Deep Dobé. Casoni. Papin. Accroché par le maillot, Papin. Alors que là, il ne s'est rien, strictement rien passé. Non, il ne l'a pas touché, le Chypriote qui est par terre, mais lui, il a été bel et bien accroché par le maillot. Mais enfin, le Chypriote... essaye de gagner les dernières secondes qui vont préserver ce match nul, qui est un résultat tout à fait inespéré pour la sélection de Chypre, qui compte un nombre de licenciés bien moins important que ne compte l'équipe de France. Et là, il s'agissait donc du libéro Andreas Stavrou, qui en est à sa deuxième sélection et qui prend et un carton jaune en même deux. Temps que Jean-Pierre Papin. Et le dernier coup franc peut-être de la partie, on joue sans les arrêts de jeu. Sans doute le dernier coup franc. Sonore. Et main. Bon, monsieur Lavrenne. Mais je pense que là. Selon le terme bien établi, les carottes sont cuites. Les Français vont laisser un point sur la pelouse de Nicosie et compromettre déjà leur chance de participation au Mondial des 90. Alors que M. Alavrenne porte le sifflet à la bouche. Ouais. Et c'est fini. M. Alavrenne siffle donc la fin du match sur ce score nul de 1 but partout. But français marqué par Zverev à la 43e minute en fin de première mi-temps. Et égalisation à 12 minutes de la fin, 78e minute, par un pénalty de Kostas Miamiliotis. Un match nul qui n'arrange nullement les affaires de l'équipe de France. Mais non, parce qu'on pensait bien qu'il prendrait 4 points au cours de deux premiers matchs. Il l'avait fait difficilement contre la Norvège. Au Parc des Princes, c'est sur un pénalty qu'ils avaient gagné. C'est sur un pénalty qu'ils concèdent un point. Et l'équipe de France... n'a certainement pas, mais est-ce que c'est vraiment une nouveauté? Entre le 7-0 d'il y a quelques années et le 1-1 d'aujourd'hui, eh bien on mesure tout le chemin qui reste à parcourir pour retrouver le rat d'antan. Voilà, donc c'est sur cette triste nouvelle que nous frissons le stade Makarios de Chypre. Chypre et France, un but partout, et le mondialet italien qui, en ce 22 octobre, et bien loin pour l'équipe de France. Ici Nicosie, dans l'île de Chypre, à vous Paris.